Corpus Erinaceus Poir, est communément appelé le Venn ou le palissandre du Sénégal, ou Tek africain en français, Barwood ou Rosewood en anglais. Au Bénin, l'espèce est communément appelée Koso, mais d'autres appellations spécifiques à certaines langues locales existent. Sona en Wama, Akwepe en Yoruba et Aipe en Nago. Pterocarpus erinaceus est une espèce africaine de la famille des légumineuses. Son aire naturelle de répartition s'étend du sud du Sénégal jusqu'à l'ouest de la République centrafricaine et au Cameroun. Notre laboratoire, le laboratoire d'études et de recherche forestière de l'Université de Parakou, s'investit beaucoup plus dans la promotion ou le développement de tous les aspects concernant la foresterie au Bénin et dans la sous-région. Et c'est dans ce cadre-là que nous, chercheurs de ce laboratoire, nous appartenons à un consortium de chercheurs sous-régional, au niveau sous-régional, donc regroupant les chercheurs du Togo, du Bénin, du Nigeria, du Burkina Faso, du Niger. Et ce consortium s'étend également de plus en plus aux chercheurs du Ghana, du Tchad et autres, qui se sont retrouvés pour élucider les préoccupations liées à l'espèce Pterocarpus erinaceus. Pterocarpus erinaceus se trouve dans les forêts denses sèches, les forêts claires et les savanes boisées, jusqu'à la limite des savanes côtières humides de la Guinée, du Togo et du Bénin. Pterocarpus erinaceus est un arbre à cime arrondie et ouverte avec une taille de 8 à 15 mètres, voire plus, et un diamètre pouvant dépasser 1 mètre. Les feuilles sont composées et assez longues, de 30 cm environ. En période de floraison, la plante est surtout reconnaissable par la couleur jaune vive de ses fleurs odorantes. Pterocarpus erinaceus est une espèce de grande importance, aussi bien au plan ethnobotanique, au plan économique, du fait de la qualité du bois qu'elle offre. Qualité du bois qui est fortement exportée aujourd'hui en direction des pays d'Asie. Cette exportation concerne tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Qualité de bois, mais également une espèce fortement utilisée comme fourrage par les éleveurs. Et quand vous voyez un individu de cette espèce-là, n'importe où dans son milieu naturel, elle est inondée. Ainsi, des quantités importantes de bois de Pterocarpus erinaceus, essentiellement sous forme de madrier, sont exportées depuis plusieurs capitales africaines vers l'international et particulièrement en Chine. Cette forte pression conjuguée au changement climatique et à la croissance lente des plants de Pterocarpus erinaceus fait de cet arbre l'un des plus menacés dans son aire de répartition. De ce fait, les peuplements naturels de l'espèce regresse et tendent vers l'extinction dans plusieurs pays. Les premiers pays touchés furent le Bénin, la Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana et Nigeria. Tout ceci constitue des menaces qui pèsent sur l'espèce. Cela a amené d'ailleurs depuis des années l'inscription de cette espèce sur l'annexe 2 de la CITES et également son statut aujourd'hui sur la liste rouge de l'UICN est une espèce en danger. Ça alerte davantage et ça appelle l'attention de ce groupe de chercheurs qui développe depuis quelques années, avec l'appui des partenaires CFDD, l'UMOA, la CDAO et autres, développe depuis donc quelques années, disais-je, des stratégies, beaucoup de stratégies intégrées de restauration des peuplements de cette espèce dans son milieu naturel. Je voudrais faire remarquer que plusieurs essais, aussi bien à notre niveau que dans d'autres pays, ont été faits et les résultats n'ont pas été concluants par le passé. Mais comme on sait le dire, le succès étant au bout de l'effort, et nous sommes parvenus à trouver les voies et moyens pour pouvoir produire en quantité et très rapidement par bouturage de tiges des plants de cette espèce qui pourront être désormais utilisés pour des activités de plantation, en tout cas de reboisement et d'enrichissement, toute autre chose pour pouvoir contribuer à la restauration des peuplements de cette espèce, aussi bien au milieu naturel que des plantations privées. Donc, c'est ce que nous allons développer tout à l'heure dans la suite de ces interventions-là pour montrer de façon beaucoup plus précise comment est-ce qu'on peut réaliser
le bouturage de type de Pterocarpus erinaceus. Le bouturage est un mode de reproduction de certaines espèces végétales consistant à donner naissance à un nouvel individu à partir d'un organe ou d'un fragment d'organe isolé, morceaux de rameaux, feuilles, tiges, racines, écailles, de pulpes, etc. C'est une forme de clonage dont tous les individus issus de ce mode de régénération sont génétiquement identiques à la plante mère. Le bouturage se réalise en quatre grandes étapes. La récolte des tiges de bouture, la préparation des boutures, l'installation de la pépinière ou mise en culture des boutures et le suivi entretien. Pour la récolte des tiges, des pieds matures et sains de Pterocarpus erinaceus, dont le diamètre à hauteur de poitrine mesuré à 1,30 m au-dessus du sol varie entre 15 cm et 35 cm et disposant de jeunes branches accessibles sont identifiées. Cependant, il faut préférer des arbres ayant les caractéristiques désirées, état sanitaire bon, hauteur fût élevée, fructification régulière, fruits larges, etc. Les jeunes tiges de diamètre compris entre 1 cm et 3 cm sont prélevées très tôt le matin sur les arbres mères préalablement identifiés en utilisant un matériel adéquat comme le sécateur, une lame de couteau ou de coupe-coupe très tranchante. Elles sont ensuite effeuillées. Les tiges prélevées sont transportées dans un sac en toile jusqu'au site d'expérimentation le même jour. Elles sont gardées à l'abri des rayons solaires ou de fortes températures, ce qui permet d'éviter la déshydratation rapide des tiges. Les tiges sont découpées en boutures effeuillées de 15 cm de long. Comme pour le prélèvement des tiges, le découpage des boutures est fait dans les conditions adéquates, ne pas exposer les boutures aux rayons solaires ou à de fortes températures. On veille attentivement à l'identification de l'extrémité proximale et de l'extrémité apicale de chaque bouture, soit en utilisant un marqueur, soit en réalisant une entaille d'identification, de préférence à l'extrémité apicale de la bouture. Cette marque d'identification des extrémités permet d'éviter d'inverser des extrémités lors de l'insertion des boutures dans le substrat. On veille également à ne pas abîmer la base des boutures. Pour un volume égal à 1 litre, il faut prélever 1500 à 2000 mg d'acide indole acétique en utilisant un pesson électrique. Verser le produit prélevé dans de l'eau non oxygénée et agiter jusqu'à obtenir un mélange homogène. Les boutures découpées sont trempées par leurs extrémités proximales dans la solution d'acide indole acétique à une concentration de 1500 à 2000 mg par litre pendant environ une heure de temps. Après une heure de trempage, on sort les boutures et on les insère verticalement dans le substrat forestier empoté et apprêté à cet effet. L'extrémité proximale des boutures trempée dans la solution d'auxine est enfoncée dans le substrat jusqu'à une profondeur d'environ 5 cm. Les boutures sont insérées dans le propagateur aussitôt après leur enlèvement de la solution d'auxine. Songez à une ombrière pour éviter la déshydratation rapide des boutures et pour limiter le potentiel d'évaporation du substrat. Le substrat doit être maintenu constamment humide. Pour cela, il faut arroser le substrat deux fois par jour, matin et soir, en utilisant un arrosoir jardinier ou tout autre outil adapté, à défaut d'un système d'arrosage continuel. Toutefois, la fréquence de l'arrosage et la quantité d'eau apportée sont liées à la période de l'année. En période des pluies, elles sont conditionnées par un manque de précipitations. Par contre, en période de sécheresse, l'arrosage peut se faire régulièrement deux fois par jour. Mais tout dépendra des conditions d'humidité du substrat forestier utilisé. Le plus important est de veiller au maintien d'une humidité permanente du substrat sans qu'il ne soit inondé. Il est donc nécessaire d'utiliser des propagateurs capables de drainer l'eau en excès. Si vous utilisez des sachets de polyéthylène, vous devez les adapter en faisant deux trous opposés au milieu et un trou à la base pour faciliter le drainage de l'eau en excès. Désherbez régulièrement la pépinière en arrachant les adventices avec les mains. Ne pas utiliser des outils arrachoirs comme la houe.
Pour être transplantés, les nouveaux individus de Pterocarpus erinaceus obtenus par bouturage doivent générer des racines bien développées, rhizogenèse. Les boutures peuvent être transférées en milieu réel après 6 mois de culture en pépinière avec un système racinaire bien développé.